Bonjour tout le monde. Ce texte concerne les élèves du 5e année primaire et en général les élèves de l'enseignement primaire. Identifier et lire un texte informatif. Alors, sur la photo, il s'agit bien d'une femme. Et le titre, vous voyez que ça s'écrit avec M majuscule, Marie Curie. Curie avec C majuscule. Donc, cette femme s'appelle Marie Curie. Les dates que vous voyez entre parenthèses, c'est la date de naissance, 1867, et la date de décès, 1934. Alors, je vais lire le texte. Née à Varsovie, en Pologne, cette célèbre physicienne française a découvert et isolé le radium. Fille d'un professeur de mathématiques et d'une institutrice, elle vient à Paris en 1882 pour y poursuivre ses études. Là, elle rencontre Pierre Curie, professeur à la Sorbonne. Elle l'épouse en 1895. Donc, le frère Loula qui est né à Varsovie, Varsovia, en Pologne, où il est très connu dans la physique, il est français, français de l'origine, qui a découvert et isolé le radium, une matière radioactive. Fille d'un professeur, c'est un professeur de mathématiques, où maman est une institutrice. معلمة elle vient à Paris جات لباريس 1882 باش تكمل الدراسات ديالها هناك elle rencontre Pierre Curie تلاقات مع بيير كوري c'est un homme professeur au CED à la Sorbonne الجامعة الفرنسية في باريس معروفة تزوجات به en 1895 après la découverte de la radioactivité par Becquerel En 1896, les Curie travaillent ensemble à la découverte de deux éléments radioactifs, le radium et le polonium. En 1903, ils se partagent le prix Nobel de physique avec Becquerel. Donc, dans ce paragraphe, بعد ما اكتشفت الفيزياء الراديو اكتيفيتي ظاهرة الإشعاع من بعض الأحجار باغ بيكخيل بعد ما اكتشف من بعد اكتشاف ديال بيكخيل هو اللي اكتشف أول مرة الإشعاع ديال بعض المواد لي كوري زعما العائلة ديال لي كوري هي وراجلها ترافاي أونسوم دونك يخدموا مجموعين واكتشفوا دو زيليمون راديو اكتيف لو غاديوم ولو بولونيوم هما اللي اكتشفوه في 1903 اقتسموا جائزة نوبل للفيزياء مع بيكخيل. Son mari meurt d'un accident de la circulation en 1906 en lui laissant deux filles. Elle prend alors sa place à la Sorbonne comme professeure de physique. C'est la première fois qu'une femme occupe un tel poste. En 1910, En 1910, elle réussit à isoler totalement le radium. Elle reçoit alors le prix Nobel de la chimie en 1911. Le radium auprès duquel elle vit tant d'années, a malheureusement raison de sa santé. Très malade, elle s'éteint à l'âge de 67 ans. Dans le dernier paragraphe, troisième paragraphe, Rajleha, Maz, Bsabe, Wahid, Haditha, Dil Seir, Al-Futsami, Ossa, Ukhlala, Jujdel, les filles, Jujdel, Bnaz. Elle prend alors sa place, alors Khadat, le Blasa, Diallo, comme professeur de physique, Ossada, Diallo, Fizia. C'est la première fois, Aoul Mara, Mara, Yil, Kaskhadim, Fad, le poste, Hadam. Al-Futsami, Ossa, نجحات باش تعزل كومبليتمون تماما الراديوم ومن بعد ذلك خدات جائزة نوبل في الكيمياء في 1911 لو غاديوم اوبخي دوكيل بدات عايشة حدا داك لو غاديوم حتى مع الأسف هو اللي كان السبب في المرض ديالها
وماتت 1067 في 67 عام، وفي عمرها 67 عام. Au revoir, mes amis, mais avant de vous quitter, je vais lire quatre définitions très importantes. Alors, le radium, un élément. Le radium, un élément atomique radioactif. La radioactivité, une émission de certains rayons. Le polonium, un élément atomique comme l'uranium. Elle s'éteint, elle meurt. توفيت إلى اللقاء في فرصة قادمة إن شاء الله. Au revoir et à bientôt.